Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier des frères Ulders. Évidemment, pour la suite de notre incroyable aventure, mettez en 4K 60 FPS. Un petit truc à boire et à manger, un casque ou des écouteurs, c'est toujours plus sympa. Et on va fabriquer et améliorer armure, accessoires, armes et ressources, évidemment. Donc, c'est parti. Brock a assez de matériaux pour forger un nouveau bouclier, donc on va se forger notre nouveau bouclier tout simplement en appuyant sur la flèche du bas, direction je n'ai bouclier. De quoi en faire qu'un seul pour le moment. C'est déjà donc pas mal. De matériaux et je verrai ok. Ce que je peux faire. Bouclier récompensant les parades risquées. C'est bien, j'aime bien. Un bouclier idéal pour absorber les attaques de riposte. Oh putain, c'est bien ça. Celui-ci en vrai, non? Celui-ci, hein. Ouais, mais lui, il est quand même tellement plus stylé. Il est quand même tellement plus stylé. Et j'aime ta fait avec le style. Mais lui, par contre, il bloque les attaques jaunes, quoi. Ah ouais. Allez, vas-y, on va prendre le style. Allez, les gars, on est sur God of War, on prend le style. Allez, bouclier façonné par un guerrier, évidemment. Ça, c'est fait. Et j'ai plus assez de ressources, de toute façon, pour le reste. Ok. L2, R2, changer sur l'onglet armure. Et fabriquer une armure sur mesure pour Atreus. Armure de compagnon. Si le gamin continue de grandir comme ça, va falloir passer me voir plus souvent pour y trouver de nouvelles choses. Ok. Équipé, évidemment. Et ben j'ai voilà. Trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Des trucs. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Les ateliers disposent de coffres remplis d'objets que vous avez pu oublier. Visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Oh, j'ai oublié vraiment beaucoup de trucs. Merci. Ok, cool. J'ai oublié du fer forgé apparemment. C'est incroyable, Sindri. Tu l'as construit tout seul? Qu'est-ce que tu crois? Comment se porte donc notre rustre azuré préféré? Comment tu m'as appelé? Magnifique. Ok. En vrai de vrai, l'âme du chaos, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire pour l'instant. H, on peut rien faire. Attendez. Armure, protection. On peut peut-être faire quelque chose, non? On peut fabriquer des protections, c'est cool. Après, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tôt pour l'instant? Je pense. On va attendre d'avancer un petit peu dans le jeu, n'abusons pas. Des bonnes choses, comme on dit, dans le milieu. Où est Sindri? Tu vois, c'est bon, je ici. Savais que tu voudrais une collation. Hey, viens il voir. Est chiant. Kratos, c'est un gamin, frère. T'es où? Il m'a parlé depuis une chambre ou quoi? Mais j'avoue, c'est trop stylé ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon attrait? C'est probablement leur garde-manger. C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux. Est-ce que tout est à votre goût? Comment déverrouiller les royaumes? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi! Et n'oubliez pas la tête. Ok. Où tire-t-il retenu exactement? Dans une mine, quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt? Une révolte? Tu étais au courant? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle Ta-da! Qui connaît ses mères? On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Ta-da! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Retrouvons-nous dehors, devant l'accès mystique. Chef rebelle, Durlin, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme ânerie? Hein? Et toi, tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange, pas vrai? Tu te figures sans doute que Durlin sera ravi de voir débouler ces deux énergumènes qui puent les problèmes à plein nez? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Brock? Nous aidera-t-il, oui ou non? Bon, peu importe. On ne pourra pas dire du vieux Brock qu'il jabote dans le dos de ses associés. Mais à part se freluquer, peut-être. Je ne t'écoute pas. Très bien.
Allez voir Durlin, si ça peut vous faire plaisir. Vous m'en direz des nouvelles. Mais ça va vous changer de la cordialité à laquelle on vous a habitué. C'est un vieux grincheux, et on comprend jamais rien à ce qu'il jacte. Le contraste s'annonce déroutant, en effet. Ok. Eh ben écoutez, direction Durlin. On va aller le voir. Tu as entendu ? On va voir ce que ça va donner. Quoi ? Ok, tu vas où, Bibiche ? On est entre les royaumes. Est-ce que ce sont des dragons ? Ils sont trop loin. Je n'arrive pas à évaluer leur taille. D'accord. C'est ça que tu voulais montrer ? C'est pas fou. Il ne manque plus que le Bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupe. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise ? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de Bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose ? Oh non ! Non, 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 non. Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux. Ah ! Sindri ! Espèce de foutu d'abo ! Ah ! Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Vas-y. Continue, continue. Viens, libère tout. C'est toujours désagréable. C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive, j'arrive. Par les œufs de Rasvelger, à quoi sert tout ça? Tu le sauras bien assez tôt. Il ne reste qu'à régler. Voilà, ça devrait être bon. Tu vois? Pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio? Kratos, lance-moi, les cornes en avant. Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Ok. On récupère évidemment Mimir. Le Bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Yggdrasil, plus besoin de table de passage, ni de lampe à Bifrost. Je n'ai plus de lampe tout court. Je vois. C'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim, à droite. Ensuite, okay. Concentre-toi. D'accord. C'est un merdier pas possible. Appuyez sur croix pour survoler et pour vous rendre à... Ok, la voie. Accès, confirmé. Accès débloqué. Alors là, on a un problème. Non ? Je suis fou ? La voix. C'est là ? Oh ! Attendez, les gars, il y a un problème. Pour vous rendre à Svartalfheim. J'ai bien compris, mais... Ah, faut rester appuyé sur quoi, mais c'est terrible ! My bad. Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nissavellir. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne ? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a pu changer, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner ? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont... humides. Et elles grouillent de morne, des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance ! Merci. Attends, quoi ? J'ai dit bonne chance ! Ok, allez, let's go! Enquête de tir! Vous sentez ça? Quoi donc, petit? Tout et partout. C'est chaud. Ok. Si j'arrive à décoincer ce bateau, on devrait pouvoir le sauver. Attention, petit.
Ok, on va retrouver le bateau, c'est bon ça. Comment elles peuvent être si rapides? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'autres bon. Calamités sur ta gauche. Très bien. Ça va c'est quoi ce merdier? Oh! Sur ta droite. Ok. Sur ta droite. Très bien. On arrête les conneries. Bien. Les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Mais j'ai décoincé le bateau. Quand tu seras prêt, on empruntera ces canaux. Ok. Je lâche le bateau et après on va refouiller derrière. Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici. Contre Odin. Et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé ? J'aimerais bien des flashbacks qui racontent comment Kratos et le géant, sa mère, se sont rencontrés. À quoi sert cette chaîne dans l'eau ? Sans doute un bac de ravitaillement, nain. Mais le bac en question semble avoir disparu. C'est embêtant. Et on va aller checker vite fait à droite, même si je crois qu'il n'y a rien. C'est tellement beau, par contre. Oh là 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 là. Mettez en 4K 60, les gars, minimum. Allez, go. J'aime bien ces petites phases d'exploration en bateau, en plus. C'était cool avant. Ok. Surveille l'eau. Tu y trouveras des ressources. Très bien. Du cuir brut. Trop bien. Ok. Tu n'as jamais demandé à Mère ce qu'elle avait fait avant. De quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue? Est-ce que tu lui as juste dit « Femme, garde la maison. Oui. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. » Avant de disparaître pour 5 jours? Non. Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Atreus, on est en 2022, t'es dans des clichés. J'ai vu ça là-bas. Ok, ah d'accord, c'est représenté comme ça les zones de Bustop. Très bien. Ok, cuir brut, c'est très bien. Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors c'est ça, une zone humide, hein. Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. Ok. Bon là, attendez, je l'ai pas pour l'instant. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. Si seulement on était à Midgard, ce qui n'est pas le cas. Mon frère, penses-tu qu'on puisse le geler? Ah, c'est bon. Non, ça c'est le bateau. Et si tu essayais avec ta hache? Non mais j'ai bien compris. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah bah ça c'est nouveau, je pouvais pas savoir. Très bien. Très très bien. Ok, merci monsieur. On dirait un artefact de la résistance des nains. Le brassard de Redmar, père de quelques nains que tu as bien connus. Brock aimerait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature. Ok, je suis un monstre. Où est le dernier? Où est le dernier? Oh.
attendez, parce que... Où est le last un... Alors, attendez, on va faire par logique. Il y en a eu un là. Il y en a eu un là. Non. Eh ben, voilà. Allez, Sugoi, let's go. Oh. Vous avez collecté assez de pommes. Dihun, santé maximum augmentée. Superbe. Ça, c'est très très beau et ça valait le coup, je te le dis, mon petit pote. Ok. C'est assez solide pour grimper? Oui. Les constructions naines sont robustes. Ok. On va faire tout le tour. Tyr était un ami des géants. Je me demande si Mer l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Allez. Elle aime les dieux de la guerre, hein. Est-ce qu'on aurait pas... Oh la vache. C'est quoi ça, c'est des sages, frère. Oh la vache. Nista. Ok. Allez. Ça c'est terminé. Ok, ça je savais. C'est pas pour ça que... Ça c'est fait. Gagne pas, mon frère. La vache. Bien. Ok, ça c'est fait. Nista. Et ça, c'est fait. Ouh. Encore. Nista. Ok. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Eh bé. Eh bébé. Là, il y a un bail. Je l'avais cramé dès le début. On va aller checker. Ça me plaît. J'aime bien. Ok. Faire forger, ça c'est fait. Ok, 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 ok. Là, très bien. Une chaîne. Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Alors. Hé là ! Prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre ? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la terre finit par se montrer instable. Ok. Pour atteindre la roue d'ici. Hey, tu sais qui je suis, quoi. Allez, ça dégage. Encore. Oh wow. Tu l'as fait descendre exactement où on en avait besoin. Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais... que c'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulwetter ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours... l'hiver. À Midgard, il l'est. Mais, comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers ou les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes.
Le réchauffement climatique, sûrement. Allez, on va passer cette roue, les potes. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Bibabibaboum. Y'a pas un peu de stuff, quelque chose, un petit truc sympa? Non, oh, on va devoir se baisser, c'est ça. Tu crois qu'on peut passer sous ce pont? Ok. On marque, je mets un petit coup de front dessus, y a tout le pont qui s'écroule. Hein. Ok, on va récupérer ça. Très bien. On peut se garer à droite, à gauche. On peut se garer un peu partout, c'est beau ça. On va aller là peut-être, je ne sais pas. Et sinon, on ira voir juste ce qu'il y a derrière. Super. Ok. Oh non. Encore catastrophe. Attention à gauche. Non, je suis mort. Oh, terrible. Deuxième mort. Catastrophe, ma chérie. Oh la vache. Mais les singes, ils mettent des sacrés coups, frère. Derrière toi, mon frère. Ok. Derrière toi, attention. Ok. Bon, ça va, je récupère full life. Derrière toi, regarde. Ça d'ailleurs apparemment on va le désactiver parce que il paraît que ça rend le jeu peut-être un peu trop simple. Et je suis assez d'accord. Si à chaque fois on refait les rencontres en mode free life. Sur ta gauche. Vache. Derrière toi. Quoi? Ok. Boucher ces geysers. Très bien. Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Et on avait quelque chose de l'autre côté. Eh ben écoutez, on y va de ce pas. On avait quelque chose de l'autre côté et on y va de ce pas. Sûrement un coffre, quelque chose qu'on aurait pu louper. Ok. Alors. Ok. Bien. Déjà un premier coffre, ça c'est cool. Superbe. On a quoi d'autre? On n'a plus rien ici. Là ensuite, si je prends la hache. Ok. On a un peu d'argent pour les braves. Et là, qu'avons-nous? Suspect. Que dalle. Si, un peu d'argent pour les braves. Oh, il y a un autre coffre. Très bien ça. Ok, let's go. Parfait. J'aime bien. Où ça? What, j'ai pas vu. Bien joué, fils. Incroyable. Mais c'est fou. Mais tout ce qu'on découvre est dingue. Un peu d'argent pour les braves. Et là. C'est dingue. Du cuir brut. Ok. C'est vraiment fou, hein. C'est vraiment fou, hein. Mais non, mais dans ce... là-haut. Quoi, pardon? Dans ce petit truc, tout ce qu'on a trouvé... Ah ouais, mais faut vraiment regarder partout, hein. Faut vraiment regarder partout, hein. C'est incroyable. Ok.
On continue. Bien joué, fils. Sans toi, je ne serais déjà plus rien. Bon, on a quoi là? Une roue. Peut-être pas assez fort pour que le jet fasse lever le pont. Sur ta gauche. La vache. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Il y en a partout. On s'en remettra, fils. Ok. J'ai l'impression que ça mène au même endroit de là où on vient, frère. Bah oui. On a fait le tour. On a fait un 360. Alors ça... Alors ça... Très bien. On a gelé un de ces geysers. En a-t-il un autre ailleurs? Ah d'accord. Ok. Ok, ok, ok. Sûrement ça, c'est ça. Voilà, pour donner plus de force. La roue tourne, la porte descend. Ingéniosité naine. Retournons au bateau. Ok, faut surtout que je laisse la hache là-haut. Non? Je sais pas. Non, c'est bon. Si les nains de ce royaume sont comme Brock et Sindri, je doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Ok. On a quelque chose. Là, on peut accéder. Alors, attendez. C'est quoi là? Voilà, c'est bon, je cherchais la touche de la carte. Ok, il y a sûrement quelque chose de ouf là-haut. Donc, on y va de... Ah ouais, regardez. Oh là là, ça brille de mille feux. On va aller checker immédiatement. Allez, baisse ta tête, mon ref. On est parti. Et on va pouvoir s'arrêter là. Oh, on a chaud, hein. Un peu plus d'épaule à la Dwayne Johnson, on passait pas. Hein. Ok. Oh, d'accord. Coffre. Coffre de fou. Tout est en ruine. Et oui, je reste sur mes gardes. Cet endroit doit grouiller de morne. Ok. P, un B, un N. Ok, ça c'était le P. Très bien. Oh, j'arrive les gars. Voilà. Voilà. Pas trop le temps. Nista. Qu'est-ce qu'il branle? Attention à droite. C'est pas possible, je m'occupais de ton pote, enfoiré. Ok, ça c'est fait. Là on a rien. Activeo. Ok. Ah, rien à péter, je me casse. Poison à gauche. Attends, attends, attends. J'arrive. Nista. Ok.
Ok. Ça leur apprendra. Ça c'est fait. Oh, salopard. Beaucoup trop chaud. Allez, il était beaucoup trop mort. Ok, on va passer par là-haut. Va-t-on y arriver? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... excusez-moi. Voilà, ça, ça dégage, j'ai pas le temps pour ces petites conneries. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sugoi, je ne sais pas encore. Des manches qui alimentent le chaos, qui ont enfermé l'âme, tuer les ennemis, attise la rage spartiate. Bien. De meilleures manches, vous voyez? Je vous avais dit qu'il fallait attendre. Allez, go. Très bien, ça. Maintenant, ok. Ah ouais. On avait le N, je crois. C'est ça. Ok, je confirme. Il vient de pop. Et l'autre, où était le dernier? Il était là. Il était là. Tu as bien fait d'étudier les runes. Ok. Est-ce que ça répond à une de mes questions? Je ne pense pas. Ah! C'est bon. Eh ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien pour la suite de nos incroyables aventures. Avec Kratos, évidemment. Allez, à plus tout le monde. Vous avez collecté assez de cornes pour avoir encore plus de rage. Bye bye! Je crois qu'on a fait le tour. Tu veux continuer ?